Bonjour, je m'appelle Preston Lee, coach et formateur de la méthode Pilates chez Visicard. Nous allons aujourd'hui vous montrer des exercices pour tonifier votre périnée. Sachez que vous soyez homme ou femme, il est indispensable de tonifier et renforcer votre périnée pour éviter tout désagrément ou pathologie particulière telle que les fuites urinaires. Avant de tonifier le périnée, il est indispensable de le situer. Pour cela, je vais m'asseoir. Je place les jambes en tailleur et je vais tirer le fessier d'un côté et je vais tirer le fessier de l'autre. Dans cette position, je vous demande de tousser. Toussez le plus fortement possible et observez ce qui se passe lors de la toux. Si vous avez des difficultés à ressentir et à situer le périnée, vous pouvez faire le même exercice avec un ballon. Vous placez le ballon sous les fesses, vous asseyez sur le ballon les jambes toujours en tailleur et vous reprenez le test à la toux. Nous avons pris conscience de la situation de notre périnée, nous allons maintenant le tonifier. Dans cette position, je vous demande de contracter le muscle que vous avez senti tout à l'heure se détendre en inspirant et en soufflant, vous relâchez. Inspirez. Le périnée se contracte et observez maintenant que se contractent les muscles du bas-ventre. Expirez, relâchez. Je vous demande maintenant de poursuivre l'exercice en travaillant cette connexion entre le périnée que vous contractez et la sangle abdominale que vous contractez également. L'intensité de la contraction doit être la plus forte possible, maintenue 10 secondes et vous faites 10 répétitions. Sachez que dans le domaine de la sexualité, la tonification du périnée a une incidence positive. Pour en savoir plus, rejoignez-nous sur le site. C'était Preston Physica.